fé. Apaga as três que eu me dei. Vou voar a terra entière e vou voar malgré tout rester. Paris de pierre qui pense encore à nous quand on est loin de tout. D'un pont entre ciel et terre, entre vous et nous, un chemin à peine ouvert. Qui ne tient qu'à nous, un voyage qu'il faut y faire. Oh, d'un pas entre ciel et terre, entre vous et nous, un chemin qui s'est ouvert. Olivier a dit ouais. Ça change tout pour moi. Ça change tout dans le sens où on n'est plus dépendant d'une bande en fait. D'une bande qui tourne derrière. Après une bande, il y a du son qui est créé, qui est généré par les ordinateurs et qui tourne. Là, il y a le côté humain qui intervient. Donc à chaque poste, à chaque instrument, il y a une personne qui joue derrière. Donc le groove est différent, les ambiances sont différentes, les manières de jouer, les intentions, l'intensité. Et ça, c'est vraiment très différent. C'est juste très très agréable et c'est vraiment ce qui donne vraiment envie de faire ça. Quoi. Bah, c'est pour cette raison-là que je fais ce métier-là, c'est pour jouer avec des musiciens. Pas la piscine pour se rafraîchir entre deux scènes, donc c'était moins des vacances. Pas en vacances ici, moi je suis pas en vacances. Là c'est juste une illusion d'optique, hein. Je donne l'impression d'être en vacances, mais je suis pas en vacances. Là même toi en ce moment je te parle là, et puis dans ma tête je travaille, ça cogite. Je suis pas en vacances, c'est une illusion, ouais. La plage, le soleil, les palmiers, c'est une illusion. Ça. Hein Manu, pas vrai? Fais pas semblant, l'eau n'est pas froide, c'est dans ta tête, je te jure, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que c'est une illusion. On n'est pas en vacances. Aide-moi. J'ai plus connu. Non, je suis pas en vacances. Aide-moi. Je travaille, je suis en train de bosser, je suis en train de bosser. Je ne pas à la rentrée. On est encore ensemble, on allait s'amuser ensemble. Du palais des sports, c'était très très rigolo en fait. On a tous fait plein de bêtises. Voilà, j'ai. Oh, bon, on se casse la figure. Donc on tombe dans les escaliers. Oh, je crois que j'ai la tenue adéquate en fait. Je pensais que j'allais faire un peu tâche, mais non, ça va. Ah oui, t'as mis le. Je pense que ceux qui verront le spectacle et qui ne m'ont pas vu depuis Paris, ouais, ils vont avoir l'impression que. Bonsoir. En direct de Bercy, nous avons la chance d'avoir un des chanteurs de la troupe du Roi Soleil. Enfin, plutôt danseur à ce moment. Hop, Merwan Rim. Bonsoir. Bonsoir, Bercy. Vous êtes là? Bonsoir. Ça me dirait Johnny Hallyday, moi aussi. Thank you.
c'est des musiciens qui viennent du baroque. Voilà, et donc on dit que c'est des musiciens marocains. Voilà, par exemple, il y a des, chez nous, il y a des gens qui viennent du Maroc, on dit que c'est des Marocains. Et eux, ils viennent du Maroc. C'est des Marocains. Voilà. Et là, t'as des Poprocains. C'est un pays qui s'appelle les Poprocs. Voilà. Ils sont là-bas. J'ai toujours rêvé d'être dans un spectacle qui additionnerait autant de. Où il y aurait autant de choses. C'est-à-dire des musiciens, des danseurs, un orchestre symphonique, un groupe derrière Poprocs, tu vois. Et puis des chansons, et que tout soit en direct et qu'on y aille, quoi. J'ai toujours rêvé de ça. Et de savoir que je vais finir sur cette note-là, ouais, ça me plaît, quoi. Ça me plaît, je suis comme un gosse, quoi. Je suis un vrai gamin. Échapper au bisou. Allez, on va passer une soirée sympa, on va aller. Ça suffit. Ya ah, du spectacle du roi soleil. Ya yeah. J'aime beaucoup. Puis voilà, puis en même temps, il faut que la vie elle suive son cours, mais c'était vraiment une expérience magnifique. C'est une vraie vie de famille, quoi. C'est pas, on dit pas ça juste pour déconner, quoi. C'est une vraie vie de famille. Les danseurs, les techniciens, les musiciens. Et les maquilleurs, coiffeurs, etc. On est ensemble quasiment 24h sur 24. Et quand on est séparés, on trouve le temps, on trouve le moyen de s'appeler, de se voir, d'aller boire un verre ensemble, de sortir un coup ensemble, d'aller se faire un truc, alors qu'on n'est pas obligé de le faire. Et on le fait parce qu'on a vraiment trouvé une espèce de seconde famille qui est où les gens se comprennent, où chacun a sa place particulièrement. On sait, tu vois, qui est qui. Tu m'appelles toi, Paul. Moi, tu es fou. Moi, tu fais l'école de moi, t'es en ligne. Moi, tu casses la tête à tout le monde. Ah, tu es un fou, moi. Moi, tu casses tes bras, tu casses tes jambes, tu casses tout.